La RTI, Yes Communication et Chipsy vous offrent 1 à 12, 6 en 1. Me revoilà à mon désir, me revoilà à mon rêve et me revoilà à mon espoir. C'est à mes risques et périls si mes mots m'attirent les éclairs et la foudre. C'est à mes risques et périls si tout ce qui sort de ma bouche me met dans les embuscades. Je suis un parolier et je l'ai hérité de mon père. Mon grand-père l'a aidé. Mon arrière-grand-père fut à son tour le griot du grand Samori Touré, le lion de la savane, l'ennemi juré des Toubabs. Je ne suis pas en train de dire que nous sommes les maîtres de la parole. Je dis simplement que nous aimons la parole. Et la parole, à son tour, nous aime. La parole est ce vent qui s'échappe précipitamment entre deux lèvres agitées, telles des sorcières prétentieuses qui entrent en transe mensongère. La parole est cette langue actionnée magiquement comme des tambours sans baguette qui hurle et assourdissent les oreilles ouvertes. La parole résulte d'un instrument naturel sans guitare qui baisse les cerveaux hypnotisés des mots rusés, sans pourtant convaincre les cœurs réticents. C'est pourquoi Yes Communication et la RTI, ces deux structures de l'espoir, ont encore décidé de déposer les dévoilus sur le chantier de l'éducation des tout-petits. Penser aux enfants, c'est penser à la construction d'un monde meilleur dans l'avenir. Merci à vous, RTI. Merci à vous, Yes Communication, pour cette télé-réalité que vous avez créée. Merci à vous et que Dieu vous récompense au centuple. Oui, ne me dites pas de dire que vous êtes les meilleurs. Ne vous inquiétez pas, ils le savent déjà. C'est ici que je veux arrêter mon intervention. Et si quelqu'un vous demande qui vient de déclamer ce texte poétique, dites-lui que je me nomme Jibril, le parolier d'Afrique. C'est moi le digne héritier des chefs Nyarafolo. C'est moi le fils aîné du chef Tchologo. C'est moi l'enfant né au sein de la légende du Poro. C'est moi la goutte d'eau restante du grand lac Senufo. Je voulais parler, j'ai parlé. Animateur émérite, doté d'une grande expérience des médias, Yves Ogo Junior est diplômé de l'école française d'attaché de presse, EFAP de Paris. Producteur radio et télé, il débarque à Abidjan après ses études en France dans la deuxième moitié des années 80. Après un bref passage à Radio France Internationale, RFI. Admirateur de Roger Fulgence Cassy, auprès de qui il a fait ses armes d'animateur, il a été influencé par le hip-hop. Bon danseur de Smurf et comédien, il chante aussi à ses heures perdues. Cependant, le micro lui colle à la chair et il a l'animation à fleur de peau. En Côte d'Ivoire, il fait les beaux jours de la radiodiffusion télévisionne ivoirienne RTI et s'impose comme l'idole des jeunes branchés des années 90. Après un court séjour hors du pays dans les années 2000, il rentre au pays et retrouve vacante la place qu'il avait laissée. L'homme des médias qui a plusieurs cordes à son arc tient aussi bien le micro lors des cérémonies les plus prestigieuses et au plus haut niveau de l'État. Il continue d'officier à la radio, son premier amour, sur les ondes de la radio Nostalgie. Aujourd'hui, pour la première édition de la télé-réalité 1 à 12, Yes Communication, la RTI et Chipsy lui ont renouvelé leur confiance. Accueillons alors Yves Ogo Junior. Mais les enfants, plus fort que ça! 1 à 12, ici on... 1 à 12, ici on... Bon, les fan clubs. Alors, ça c'est le fan club... Avia Sharon, quelle commune? Est-ce que Cocody est là? Trècheville? Yopougon? Adjamé? Abobo? Ah, je sens qu'aujourd'hui on aura une belle cérémonie parce que vous êtes vraiment dans votre élément. Mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue à cette première saison d'un concept qui certainement fera parler de lui. Depuis quelques années, les productions télé à destination des enfants connaissent un certain succès. À l'image de The Voice Kids, ces jeunes artistes très tôt prennent contact avec la scène, vivent les réactions du public et surtout acceptent dans les concours le verdict des membres
du jury. Devenir artiste, c'est le rêve et l'objectif de certains d'entre eux. Afin de leur permettre de réaliser leur rêve, Yes Communication a initié 1 à 12 ici en... Un télécrochet qui, pour sa première, veut susciter des vocations et contribuer à l'épanouissement de nos enfants sous le regard de leurs parents qui sont certainement là. Je vais demander d'applaudir les parents aussi hein, parce qu'ils sont là. Hein. Voilà. 1 à 12 ici en chant. Selon deux modes de sélection, l'envoi des vidéos des candidats par le canal WhatsApp, le casting sur 3 jours, supervisé par un jury composé d'experts qu'on a eu pendant donc, le casting. Et à la question « Pourquoi avoir choisi ce concept ?», Yes Communication nous en donne la réponse. Élément vidéo que je vous invite à regarder maintenant. Yes Communication est une agence conseil en publicité qui assiste les entrepreneurs. Yes Communication a une panoplie d'activités, mais celle qui a retenu notre attention des bénévoles. 1 à 12, conçu dans cet esprit, est en fait d'abord une télé-réalité avant d'être un concours de chant. Elle consiste à valoriser le talent caché des enfants tout en mettant en exergue, bien sûr, leur capacité intellectuelle. Nous voulons remercier les parents des candidats qui ont accepté de collaborer. Car 1 à 12 n'est pas seulement un lieu de divertissement, mais c'est aussi un lieu d'incitation à l'illumination. Merci pour Yes Communication du choix, bien sûr, de cette production. Et bien sûr, la RTI. La RTI, notre chaîne nationale, a décidé d'accompagner ce concept qui certainement fera des heureux parce que dans quelques années, on se souviendra qu'ici, sur cette scène de cette splendide salle François Louga de la 1500 places du Palais de la Culture, un jeune est devenu une grande star. Et puis, il fallait une autorité morale. L'autorité morale, c'est une grande dame, très active dans la sensibilisation du quotidien des Ivoiriens en matière de salubrité. Elle a accepté de porter ce projet en tant que marraine. Nous allons maintenant vous inviter à suivre et à écouter le message de Madame la ministre de la Salubrité et de l'Assainissement, Madame Anouloto. Monsieur le directeur général de la RTI, Monsieur le directeur général de Yes Communication, distingués invités, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires, Mesdames et Messieurs, chers enfants, lorsque j'ai été sollicité par les organisateurs pour parrainer la première saison de la télé-réalité 1 à 12, j'ai tout de suite donné mon accord. Sans hésiter, j'ai trouvé l'idée géniale. Vous savez, nombreux sont les talents exceptionnels qui malheureusement n'ont pas réussi à atteindre leurs objectifs, faute d'encadrement. J'insiste pour dire que ce n'est pas uniquement une question de moyens financiers, mais c'est surtout une question d'encadrement et d'accompagnement adéquat. C'est pourquoi je tiens à remercier les organisateurs pour cette belle opportunité qu'ils offrent à nos enfants afin de leur permettre d'apprendre à réaliser leurs rêves. Je voudrais les encourager pour cette approche qui favorise le développement personnel de l'enfant. Je souhaite plein succès à 1 à 12 et une pérennité. À mes enfants, les finalistes, j'adresse mes vives félicitations. Si vous êtes à ce stade de la compétition, c'est que vous êtes tous des vainqueurs potentiels. C'est-à-dire que vous avez les moyens et les qualités intrinsèques pour gagner et pour devenir les stars de la musique au plan national et même international. Je vous invite
restez sage et concentré comme vous l'avez été depuis les auditions jusqu'à la finale. Sachez que vous êtes tous mes stars. Et je vous dis bravo. Que le meilleur gagne. Bon spectacle à toutes et à tous. Merci. Un message fort. On peut applaudir 1 à 12 ici. On... Plus fort parce que maintenant on va monter en gamme. 1 à 12 ici. On... Première aération musicale de notre production. Une perle. Elle a pour elle sa tradition. Elle les porte avec fierté. L'amour, l'éducation des enfants. Dans Ouzé, accueillons une star. Elle s'appelle Aïdissa. C'est parti, applaudissements. Merci. Aïdissa, je vous demande d'applaudir également.
Encore une fois, toute belle. Regardez la tenue. Elle. Alors, pour les futurs candidats à la scène, ça s'appelle respecter son public. Regardez comment elle est habillée. Merci beaucoup. Merci, princesse. Et à tout à l'heure. Dans les remerciements pour avoir préparé donc ces stars en devenir, un hommage spécial à ces trois personnes, Amani Stéphane, directeur artistique de la compagnie Moyer Ivoire, que je vous demande d'applaudir. Il a un master en danse et chorégraphie à l'INSAC. On va également remercier Élisée Goli, chorégraphe de la compagnie enseignant de danse INSAC, et Aïdissa, que vous venez de voir, artiste compositrice. Ils ont conduit et formé de bout en bout les enfants depuis la présélection en passant par les différentes étapes jusqu'à la finale qui nous réunit ici ce soir. Mesdames, messieurs, jeunes publics, quand il y a un concours, il y a un jury, n'est-ce pas? Nous allons maintenant... Attends, je vais vous réveiller un peu. 1 à 12, ici on... Chante. Mais ici, ils sont chauds. Hein. 1 à 12, ici on... Chante. Ah, j'espère que votre candidat va gagner. Hein, parce que vraiment... Bon, alors, où sont les autres? Où sont les autres supporters là? Voilà, mais quand même, mais voilà. Alors, mais voilà. Quand même. N'oubliez pas... N'oubliez pas, c'est vrai que les membres du jury sont assez, hein, assez stricts, mais on ne sait jamais. Plus vous faites du bruit, on ne sait pas, peut-être que ça peut jouer. 1 à 12, ici, on... Alors, les membres du jury, ils ont pour eux leurs années d'expérience dues à leur parcours et aussi à la tendresse de parents que certains d'entre eux sont. Ce sera pas facile. Il faudra juger la qualité en n'oubliant pas quelque part qu'on est aussi parents. Je vais vous demander de les acclamer parce que je vais les présenter un à un. On va commencer par... Alors, ils sont où les membres du jury? On va commencer par Aïdissa. Aïdissa, est-ce qu'elle a rejoint? Elle est là-bas. Alors, on peut applaudir. Elle est membre du jury. Voilà. Comme vous le savez, moi je la qualifie encore comme espoir de notre musique parce qu'elle a tellement, tellement, tellement de qualité. On n'en a pas encore fini de tout découvrir et je suis convaincu qu'au fil du temps, elle saura se hisser au firmament. Aïdissa qu'on applaudit encore une fois. Et puis, la dame que je vais vous présenter, elle a accompagné durant pratiquement toute sa carrière la plus grosse star ivoirienne en matière de musique. Elle est dotée d'une voix, elle maîtrise l'art de la musique, elle est très discrète. Je sais que ici, tout devant, on se pose des questions pour demander de qui s'agit-il. Madame Ami Bamba, que je vous demande d'applaudir. Ami Bamba, voilà. Membre du jury. Alors, c'est pour vous dire que on a vraiment des personnes qui savent de quoi elles parlent quand il faudra juger donc nos candidats. Et puis, un producteur, un homme de terrain, quelqu'un qui, depuis plusieurs années, organise sur tout le territoire tout ce qui est spectacle, événement et qui porte. Son nom, c'est Georges Aziz, que je demande d'applaudir également, qui est là. Georges Aziz. Monsieur Zouglou. Zouglou. Voilà, voilà Georges. Et puis, pour rester dans la gamme, lui, il sait fédérer les cœurs. Il apporte la joie, il apporte beaucoup d'espoir. C'est un artiste contemporain. On applaudit Monsieur J.C. Pluriel. Membre du jury également. Et puis, c'est vrai que c'est un concept de télé-réalité où les enfants n'étaient même pas là. Mais je m'adresse aussi bien aux téléspectateurs qu'au public ici présent, les parents. C'est un monsieur avec grand M de la musique ivoirienne.
Alors, si je devais m'amuser à égrener son parcours ici, on en serait encore jusqu'à demain. Tout ce que je peux vous dire, c'est que quand vous entendez Ernesto Djedjé, systématiquement, vous savez que celui qui a donné la cadence aux Ziggy, c'est M. Diabo Steck. Je vous demande d'applaudir. Et c'est le président du jury. Il fallait, pour réussir cette émission, ce concept, des partenaires. Je vous invite maintenant, à notre manière, à leur dire merci en regardant cet élément vidéo. C'est parti. Remerciements aux sponsors et partenaires. Yes Communication remercie ses partenaires institutionnels. Le ministère de l'assainissement et de la salubrité, l'ONG Le Remède. Sponsor, Chipsy de Nutrifood. Presse, la RTI, Nostalgie, Abidjan.net, First Magazine. Partenaire, la compagnie Moyer Ivoire, Paradise Game Center, le complexe hôtelier Food and Business, Paradisia, le studio Invictus, Win-Win Communication, Yoni Mode et Isabelle Loboué, la maquilleuse. On a décidé, dans ce concept, de vous proposer tous ces candidats qui viendront et sur une superbe chanson, chacun des candidats aura sa partition. Cette étape de ce show s'appelle la collégiale. À l'origine, c'est une chanson populaire africaine composée par Solomon Linda en 1939 sous le titre Mboubé. Reprise de nombreuses fois, elle est devenue un succès mondial. Version française connue sous le titre Le Lion est mort ce soir a été popularisée en première fois en 62 par le chanteur Henri Salvador, puis par le groupe Pow Wow en 92. Repensée par Aïdissa, je vous demande d'accueillir nos candidats. Mais avant, permettez que je vous les appelle au fur et à mesure, avant que nous ne commencions la collégiale. Kangouté Na Awa. Nde Marie Grasse. Awana Ange David. Mama Shakira Abigail. Yapo Samuel Ange. Avia Sharon Merveille. Allo Naïka Esther. Naounou Chris Ivan. Sodi Marie Princesse. Ornella. Saoud de Conti Ruth Roxane. Zabi Grasse. Adjra Enis. Glazaï Sephora. Oladele Daniel Eniola. Sangare Alimata. Logrois Anne Mondésir. Pour la collégiale, une superbe chanson pour montrer l'esprit d'amitié, l'esprit de fraternité. C'est pour vous. Thank you.
c'est dur, mais on y arrivera. On chantera ce soir. L'image du bon vin, il n'altère jamais. Il traverse les époques. Pour moi, c'est un des plus grands humoristes ivoiriens. Et vous, les tout petits, quel que soit votre parcours, vous l'appréciez. Accueillons Papitou. Allez, 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 allez.
quand on donne les enfants, vous êtes venus beaucoup comme ça là. On dit tous les enfants, je vois les papas qui ont les cheveux blancs ici. Vous êtes venus faire quoi? Donc, à partir d'aujourd'hui là, respectez-nous les enfants. Parce que nous aussi, on a notre droit. Vous avez obligation de veiller sur nous jusqu'à ce qu'on travaille. Et puis si on travaille, nous, maintenant, on va s'occuper de vous. Mon papa m'a envoyé en France. Je suis partie poursuivre mes études en France. Arrivée là-bas, mes études m'ont poursuivi jusqu'à... Tu ris pourquoi? Tu ris pourquoi? Toi, tu vaux, tu vaux. Tu vaux rien, tu es là, tu ris pour moi. Et puis quand on est parti à l'école encore, notre maîtresse dit, rapide, tu vous conjugues le verbe boire au présent, de l'indicatif. J'ai dit, je bois, tu bois, il boit. Nous buvons, eh hey, bravo, papi tout, on peut en passer. J'ai dit, j'ai bu, tu as bu, il a bu. Elle dit, papi tout, on peut en futur. J'ai dit, je ne bois plus, je suis rassasié. Les enfants, pour votre plaisir, les tatas vous envoyaient un gros cadeau. Tout le monde regardait là-bas, en applaudissant pour Adama Daiko. Plus fort, le voilà, il arrive. Eh, ja, eh, eh. Faut pas te faire crier, c'est moi-même, faut pas te faire crier. Je vous ai eu, non? Je suis venu pour encourager les gens. Et les vieilles personnes, attendez, les enfants vont répondre. Je suis venu pour vous encourager. Oui. Les enfants chantent mieux que les grands-pères. Oui. Les enfants ont de la veille. Oui. Les grandes personnes ont des souvés. Oui. Au revoir. Chipsy, avec nous, il y a plusieurs parfums. On peut parler de Chipsy Curlet, on peut parler de Chipsy Lait Miel, on peut parler de Chipsy Emmental, on peut parler de Pop Cheese, on peut parler de Popcorn, on peut parler de Poulet Braisé, on peut parler de Ketchup. Tout ça, ce sont des parfums de Chipsy. Il y en a jusqu'à 13, s'il vous plaît. Alors, ceux qui ne le savent pas, courez vite à vos boutiques et demandez n'importe quel parfum de Chipsy. C'est sûr que vous serez servi. Voyez-vous, Chipsy, c'est un produit du chips qui donne beaucoup d'intelligence à vos enfants. Et ne vous y trompez surtout pas, c'est fabriqué en Côte d'Ivoire par cette entreprise qu'on appelle tout simplement Nutrifood Industries. C'est pas compliqué, c'est même pas caché. Si vous ne le savez toujours pas, rendez-vous à Yopougon, zone industrielle. Vous allez voir cette entreprise. Alors, pour aujourd'hui, comme je le dis tous les jours, partout où je ne passe pas sans toutefois faire de cadeaux à qui que ce soit. Restez là où vous êtes et mes hôtesses, les tatas chipsy qui sont là, passeront partout là où vous êtes assis et elles vous donneront des chipsy, beaucoup, beaucoup, beaucoup de cadeaux. Sur ce, je vous dis merci. Allez, hôtesse, commencez le service. Et moi, je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Merci à vous. On applaudit Chipsy, s'il vous plaît. Parce que de 1 à 12, ici, applaudissez encore pour Chipsy, c'est pas terminé. Voilà, merci à vous. 1 à 12, ici, Non. Je veux faire venir un groupe terrible. Si c'est pour dire, chante. Là, c'est pas intéressant. 1 à 12, ici, TNT! Here we go! Levez la main, tout le monde! Moyen de l'arrêter. Faut pas que tu me demandes de venir m'amuser pendant que les Nadia vont dire. La venue là-bas, mon rapide n'en dit pas. Tous les amis de mes amis, même mes ennemis ont des amis qui ont des ennemis qui se demandent comment nous on fait pour pouvoir vous faire danser. Ça s'appelle les tuer.
On applaudit encore une fois TNT, merci beaucoup. Alors, bien, maintenant, je vais demander beaucoup de calme dans la salle, car le concours individuel va commencer. Mesdames, Messieurs, chers parents, chers téléspectateurs, nous y sommes. Les chansons ont été sélectionnées sur trois critères. Les chansons mettant en valeur la voix du candidat, la chanson adaptée aux différentes voix et aussi la popularité de ces chansons. Au bout de chaque chanson et au bout de chaque décision du jury, un trophée 1 à 12 pour l'enfant star, une production, c'est-à-dire l'enfant qui sera proclamé vainqueur aura droit à un enregistrement en studio, des ordinateurs portables pour l'enfant star, tablettes éducatives pour les 16 candidats, des kits scolaires pour les 16 candidats. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, j'avais gardé cette information pour le début du concours individuel. Notre marraine artistique, une des plus belles voix de la musique ivoirienne, icône mondiale de la musique, elle a travaillé avec Manu Dibango, Bonkana Maïga, Salé Best. Elle est dans cette salle. Elle va, du haut de sa supériorité vocale, superviser ses jeunes talents. Je vous demande de faire une ovation pour cette grande dame du nom d'Aklan sous vos applaudissements. Saison 1 de l'émission 1 à 12, ici on chante. Le guitariste, on sent qu'il a envie de commencer même le concours. Premier candidat. Les enfants, je vous dis, il y a un monsieur là-bas qui est président du jury, on l'appelle monsieur Diabostek. Il dit si, quand les candidats chantent là, s'il entend un bruit, mais il va se fâcher. Donc quand je dis le nom du candidat, vous pouvez crier comme vous voulez. Quand le candidat commence à chanter,
vous faites le calme, parce que c'est dessus qu'on va le noter. 1 à 12 ici, on. Non, c'est maintenant qu'il faut... 1 à 12 ici, on. Il est né le 7 août 2007 à Aboboté, issu d'une famille de 3 enfants. Il choisit la chanson « C'est la vie » de Henri Dikongé du Cameroun. Accueillons le premier candidat du nom de Awana Ange David. Comme ça, vous m'accueillez. C'est quoi ça? C'est comme ça que vous m'accueillez quoi? Vous êtes chaud ce soir, hein? Je voulais dire merci à la vie parce que sans la vie, nous ne serions pas réunis ici aujourd'hui. Tonton Abby, joue la musique. Merci l'artiste. Elle est née le 7 mai 2006 à Abobo. Je tiens à préciser que Ange David, lui, rêve d'être pilote. Donc c'est un pilote qui vous parlait tout à l'heure. Elle, par contre, elle veut devenir ou médecin ou animatrice télé. Vraiment, elle a choisi les deux extrêmes. Saoude Conti. Elle choisit la chanson de Zahara. L'Hollywood. Bonsoir public de 1 à 12.
Bonsoir, chers membres du jury. Bonsoir, toute la Côte d'Ivoire. Ce soir, je vais vous interpréter la chanson Lolliwe de Zara. C'est comme vous voulez. Des chips qui donnent goût à la vie. Ah, les membres du jury, on peut applaudir déjà les deux prestations. Candidate numéro 3. Elle rêve de devenir gynécologue. Elle l'a choisi parce qu'on vient de loin, de Corneille.
Elle est née le 17 juin 2007 et elle s'appelle Zahabi Grâce, sous vos applaudissements. Attendez. Bonsoir d'abord. C'est ici un peu final de 1 à 12 là. Vous êtes sûr que c'est ici? Attends, on se comprend pas. Hein. Vous êtes sûr que c'est ici? Et puis moi, j'entends rien. Aïe! Oh. Bonsoir public! Je dis bonsoir public! On peut s'entendre, on peut se comprendre. On fait de grandes choses ensemble. Est-ce que les Bramagos de Paris sont là? Aïe! Ou bien? Je vais vous interpréter la chanson de Corneille parce qu'on vient de loin. Tout simplement qui veut dire la Côte d'Ivoire, c'est le nord, le sud, l'est, l'ouest, le centre. La Côte d'Ivoire unie parce qu'on vient de loin. Tonton Happy, ok. Le dernier, et vous feriez pareil si seulement vous saviez. Combien de fois la fin du monde nous a volé. Oh, alors on vit chaque jour comme le dernier, parce qu'on vient de loin. Nous sommes nos propres pères. Si je n'ai pourtant si vieux, ça me fait penser. Tu sais, nous sommes nos propres mères. Si je n'ai si sérieux, mais ça m'a changé. Ah. Oh, oh, oh. On passe le temps à faire des plans pour le lendemain. Torcher les mains, à quoi ça sert si on n'est pas sûr de voir demain? À rien. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Bala papa, que vous ferez pareil si seulement vous saviez. Bala papa, comme un devoir la fin du monde nous a volé. Oh, alors on vit chaque jour comme le dernier, parce qu'on vient de loin. Bala la boue, bala la boue. Mais quand les temps sont durs, on se dit pire que notre histoire n'existe pas. Et quand l'hiver perdure, on se dit simplement que la chaleur nous reviendra. Et c'est facile comme ça. Oh, oh. Jour après jour, on voit combien tout est éphémère. C'était la dernière. Terre est trop doux. Quand on ne vit que sur des prières. Et je savoure chaque instant, bien avant que s'éteigne la lumière. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Bala papa. Et vous ferez pareil si seulement vous savez. Bala papa. Combien de fois la fin du monde nous a volé. Oh. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Parce qu'on vient de loin. Balalabou, balalabou, balapapa. Balalabou, balalabou, balapapa. Balalabou, balalabou, balapapa. Merci. Celle qui arrive rêve d'être médecin. Mais déjà, elle a 8 ans. Et vous allez voir le bout de princesse que c'est. Elle s'appelle Tioulé Marie Princesse. Et elle choisit Ça va aller de Nabila. Est-ce que le public de 1 à 12 est là? C'est quoi ça? Moi, la star d'aujourd'hui, la princesse d'aujourd'hui, c'est comme ça que vous l'accueillez.
ici dans la vie, si pas fascinant. Chacun a toujours des soucis, non. Beaucoup de bouches à nourrir, si pas fascinant. Tu dois affronter les difficultés jusqu'à ce qu'on arrive, non. Mama, yeah, mama, yo, oh, oh. Tu dois te battre pour t'en sortir, non. Mama, yeah, mama, yo, oh, oh. Tu dois te battre pour t'en sortir, non. Tu cherches le boulot, ça va aller. T'as pas l'ido, ça va aller. Vas-y, boulot, ça va aller. Ça va aller, yeah. Cherche le boulot, ça va aller. Ton papa de coulo, va vas-y, boulot, ça va aller. Ça va aller. Tu sais, dans la vie, y a des hauts et des bas. Faut garder espoir, ça va aller. Dans la vie, c'est mollo, mollo. Quand tu vois, tu le chopes et l'eau. Frères et sœurs, ne te fonce pas trop. Pour t'en sortir, non. Mama, yeah, mama, yo, oh, oh. Tu dois te battre pour t'en sortir, non. Tu cherches le boulot, ça va aller. N'a pas l'ido, ça va aller. Vas-y, mollo, ça va aller. Ça va aller, yeah. Tu cherches le boulot, on répond, ça va aller. N'a pas l'ido, ça va aller. Ça va aller, ça va aller. On tape les mains. Ça va aller. Tout le monde. Ça va aller. On y va. Ça va aller. Yeah, yeah. On tape les mains. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Yeah, yeah. Merci, princesse. Candidate numéro 5, rêve d'enseigner. Elle est née le 20 avril 2009. Elle choisit Aléamba de Charlotte Dipanda. Accueillons Allo Naïka Esther. La public de 1 à 12. On dit Allo Naïka arrive. Et puis d'autres sont assis, ils acclament pas. On dit Allo Naïka Esther. Je viens de loin après tout. Je viens d'Assini Mafia. Si vous voulez
bazolo kola suwe yopa sinyan semina masu aliyumba makami mami avec moi s'il vous plaît aliyumba makami mami Le bateau loco la soue Aliyompa Et ba wana timbo mboko mwa soue Aliyompa Aliyompa Makami mami Soue le basango Aliyompa Makami mami Avec moi Soue le bateau loco la soue Aliyompa Ki ba wana timbo mboko mwa soue Merci. Merci, princesse. Candidate numéro 6, rêve d'être experte comptable. Elle a choisi une chanson culte ivoirienne, Sapio du groupe Delta Group. Accueillons Kangouté Na Awa.
Merci. Elle veut devenir chanteuse ou animatrice. Elle choisit Iwa Sado de Nayan Kabel. Elle est née le 4 mai 2008. Accueillons Mama Shakira Abigail. Bonsoir, c'est comment? Chier, il y a quoi? Je ne vous sens pas. Je ne sais comment. Voilà, je vous sens maintenant. Tignana Tomona, Ibongé Balula. Matignana Tomona, Ibongé Balula. Et Matou Vignana Tomona, Bé. Betona Niumani Tomoko, Kedadi. Matignana Tomona, Ibongé Balula. On y va. Aliba mana ke fiel tozi. Kanifa ke fiel tozi. Kanisoro de nieri ke la di. Oh, ina ke jigi ni bere kalaye. Dolu ye dolo gana tu mamina. Koi soro la bara misimina. Tu mimina bi kikana tu mana tu mika ohala koi sorola ifani bara yere yere la surafana gigi delo nagila kadoyo nase dogo nase Et là, on va monter en gamme le choix de la chanson. Je veux entendre ça. Il rêve d'être avocat. Il a comme référence dans la chanson Moïse Mbillé et Dena Mwana, chantre de la RDC. Il a choisi I Will Always Love You de Whitney Houston. Il a un prénom prédestiné. On verra si ce prénom l'accompagne. Accueillons Yapo Samuel Ange. Je vous sens pas. Vous verrez pas, il n'a pas encore chanté quoi. Bon, ceux qui n'écrivent pas là, quand je vais être tué ici là, vous venez à mon 19e concert dans le futur. Ah.
darling, you. Bittersweet memories. That is all I'm taking with me. So goodbye. Please don't cry. We but know I'm not with you. You need. Chapeau, elle rêve d'être informaticienne ou présidente. Voilà. Elle est née le 20 octobre 2008. Avia Marie Merveille chante Paléa de Dobé Niaouré. C'est tout. Et tout ce que vous avez dans le ventre, je me retourne. Vous savez crier. Je dédie cette chanson à toutes les personnes qui sont dans cette salle. Merci. Paléa, Paléa, Kone, Paléa, Missé. Wolo ane nou same ane Wolo kakabako Palea Bene a kode Palea mise Bene ni a kode Wolo ane nou same Wolo ane nou same Titele,
en amomene e isa baba kan boku wele e isa baba kan boku wele e mengala leje namo mene e mengala leje namo mene e mengala leje namo mene ine e mengala leje namo mene e niela ina mo akaditile niela ina mo akaditile Niela in the mark at the Niela in the mark at the Niela, Niela in the mark at the Niela in the mark at the Merci. Ma philosophie de Amel Bent, chantée par une star qui rêve de devenir star de la musique. Accueillons Adjara Enis. Je dis oh, quand vous voyez ma forme, vous n'êtes pas fier. Et puis vous faites comme si. Je dis quand vous voyez ça, vous n'êtes pas fier. Est-ce que Dabou est là? Est-ce que Dabou est là? Être accepté comme je suis, baguer tout ce qu'on me dit. Je reste le poing levé pour le meilleur comme le pire. Je suis métisse mais pas mati. J'avance le cœur léger, même toujours le poing levé. Lever la tête, pomper le torse, sans cesse redoubler d'efforts. La vie ne m'en laisse pas le choix. Je suis là qui bat le roi, malgré nos peines. Tous ces injures incessantes, moi je lèverai le poing encore plus haut, encore plus loin. Viser la lune, ça ne me fait pas peur, mais ma luce, je crois encore et encore. Des sacrifices, si le faut, j'en ferai. J'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé. Je ne suis pas comme toutes ces filles qui ont des visages, qui ont des habits. Moi j'ai des formes et des rondeurs, ça sert à réchauffer des cœurs. Fille d'un quartier populaire, j'ai appris à être fière. Il y a plus d'amour que de misère, il y a plus de cœur que de piège. Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis. Avec l'avance, le sourire, point levé vers l'avenir. Lever la tête, pomper le torse, sans cesse redoubler d'efforts. La vie ne m'en laisse pas le choix. Je suis là qui bat le roi. Viser la lune, ça ne fait pas peur. Mais ma luce, je crois encore et encore. Des sacrifices, si le faut, j'en ferai. J'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé. Viser la lune, ça me fait pas peur. Mais ma luce, je crois encore et encore. Des sacrifices, si le faut, j'en ferai. J'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé. Oh, oh. Yeah.
la chanson Coucou de Charlotte Dipanda, chantée par une princesse née le 5 mars 2009, d'un Marie Grasse. Bonjour cher public, bien avant de commencer, je dédie cette chanson à mon papa, père à son âme. J'espère que depuis les cieux, il me soutient. Ma pata mango so e gangula ne saka atitina bambiri wa muna na binu na otitina wele ebe somule mamo binyama bwa meke ya na mapula lobi na nyua Janani mundi moi c'est sonité c'est belongi ça n'est pas plus là nende ke mune e ma bape ti ese bomani donke ae ma si me de toka se wa e to bunyo amene obidika I know you can understand me. Binyama bwa meke ya na mapula la bina niwa kuku o niwa e na mapula la bina niwa kuku o niwa e na mapula la bina niwa e kuku o niwa e Merci princesse. Il va boucler la liste des candidats avec un titre tout indiqué. Dernière danse d'Indila. Il rêve d'être astronaute. Il est né en 2008. Il s'appelle Naounou Chris Ivan. Est-ce que le public de 1 à 12 est là? Est-ce que le public de Cocody est là? Tonton Happy, tu peux lancer le beat. Douce souffrance, pourquoi s'acharner tu commences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu pas où je viens me seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir,
te commence, oh ma douce souffrance. Je remue le ciel, le jour, la nuit, je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel et je danse, 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 danse. Et dans le bruit, je cours, j'ai peur. Est-ce mon tour? Viens là, tout le dans tout Paris, je m'abandonne et je m'envole, vol, 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 que d'espérance. Sur ce chemin, en ton absence, j'ai beau trimer sans toi, ma vie n'est qu'un décor qui brille, vide de sens. Je remue le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Et je danse, 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 danse. Et dans le bruit, je cours et j'ai peur. Est-ce mon tour? Reviens là, tout le dans tout Paris. Je m'abandonne et je m'envole, vol, 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 vol. Dans ces douces souffrances, dont j'ai payé toutes les offenses, écoute comment mon cœur est immense. Je suis un enfant du monde. Je remue le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un point de miel. Et je danse, 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 danse. Et dans le bruit, je cours et j'ai peur. Est-ce mon tour? Viens là, douleur. Dans tout Paris, je m'abandonne et je m'envole, vol, 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 vol. Dans ces douces souffrances, dont j'ai payé toutes les offenses, je suis un enfant du monde. Je remue le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Et je danse, 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 danse. Remerciements aux sponsors et partenaires. Yes Communication remercie ses partenaires institutionnels. Le ministère de l'assainissement et de la salubrité, l'ONG Le Remède. Sponsor, Chipsy de Nutrifood. Presse, la RTI, Nostalgie, Abidjan.net, First Magazine. Partenaire, la compagnie Moyer Ivoire, Paradise Game Center, le complexe hôtelier Food and Business, Paradisia, le studio Invictus, Win-Win Communication, Yoni Mode et Isabelle Loboué, la maquilleuse. Merci l'artiste. Yes Communication, par vos applaudissements, va nous démontrer si le pari a été gagné. On peut applaudir cette production. 1 à 12, ici on chante. Et en même temps permettre au président du jury, accompagné des jurés, de pouvoir se retirer et dans moins de 5 à 10 minutes, venir nous proclamer les résultats. Je tiens à vous remercier d'être resté jusqu'à la fin de cette prestation et d'attendre le nom de notre enfant star. Il sensibilise, il fait du reggae, il s'appelle Watchman. On l'accueille sous des applaudissements. Watchman! Yeah.
Chers parents, bonsoir. C'est maintenant qu'on s'adresse à vous. Ce que je veux que vous retenez dans l'ensemble, les enfants sont tous bons. Vous avez vu qu'on a duré plus que prévu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Mais comme dans la vie, il faut un choix. On a été obligé. C'est douloureux, mais on est obligé. Et les critères, il faut tenir compte aussi d'une star qui peut s'exprimer. C'est une télé-réalité qui commence à devenir réalité. Donc, qui peut s'exprimer, qui peut avoir un comportement tout à fait correct. C'est cela que nous voulons. Donc, Ami Bamba est où? Il faut dire qui est le troisième. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Ami Bamba. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Merci. Merci. Bon, Ami, qui est le troisième? Bon, troisième. Ben Marie Grâce. Ben Marie Grâce, qu'on peut applaudir. On applaudit la princesse, classée troisième. Toute belle. Aziz, tu as la lourde tâche de donner le nom du deuxième. Le deuxième a un immense talent. C'est vraiment une star de demain. Le deuxième, Naono Christ Ivan. Et... Supervisez, maître, venez. Maître, allez-y. Ben, j'ai assisté à la délibération. Ça n'a pas été facile, mais bon. Comme c'est régi par des textes, donc au vu du résultat qui est en train d'être donné, c'est l'application stricte des textes. Donc vraiment. J'ai participé, j'ai regardé, je n'ai rien à reprocher au résultat. Merci. Voici nos candidats, voici nos membres du jury. Le nom
de l'enfant star. La maman a peur. À ma qualité de président de jury, je vais prendre mes responsabilités. Premier avec 207 points. Il faut rappeler que Nde Marie Grasse a eu 173. Naonou Chris Ivan a eu 204. Et vous voyez qu'il y a seulement 3 points qui les séparent. Ça a été dit. Le premier avec 207 points s'appelle. Je dis bien le premier, donc il n'y a pas de premier, c'est un garçon. Il y a Paul Samuel. En tant que partenaire de cet événement, je peux dire que ça a été une très belle aventure. Félicitations aux lauréats. Rendez-vous l'année prochaine. Et pour ceux qui n'ont pas gagné, préparez-vous et venez donner le meilleur de vous pour la prochaine saison. Merci beaucoup. Activités professionnelles ou familiales. Choisissez le complexe hôtelier Food and Business. C'est un cadre chatoyant. Kilomètre 17, route de Dabou. En plein cœur du CNRA. Des salles de conférence, un restaurant, une baie lagunaire et des chambres prêtes à vous recevoir pour un séjour loin des bruits de la ville. Complexe Food and Business. Les petits plaisirs ne sont pas réservés qu'aux autres. Infoline 49 68 68 85 51 81 30 41. Communication et Chipsy vous ont offert 1 à 12, saison 1.